Hello ladies and gentlemen, c'est The Space, on se retrouve pour la partie numéro 2 de Saints Row 4. Et les gars, la bande-son du jeu est tellement énorme que des fois j'ai envie d'arrêter de parler et d'écouter la musique. Écoutez-moi ça. Non, trop lourd. Bref, on continue. Donc la dernière fois, pour ceux qui avaient suivi l'épisode 1, on s'était arrêté, vous savez, lors de la création de mon personnage. Je devais me rendre dans une conférence de presse, donc vous avez rien raté d'extraordinaire. Enfin si, une scène qui est tout simplement explosive, où je combattais des ennemis. Et donc voilà, on se retrouve 5 ans plus tard, et c'est mon personnage avec le costume violet. Voilà, je me tais maintenant. Jesus, not you two. This is a problem. I keep trying to explain that, but the president won't listen. Poverty is a problem. Apartheid is a problem. This is just a couple of... Here's the latest approval poll. We lost 20 points. We can get them back. They're at 20 points. I'll admit that's a little lower than anticipated. So you agree you have a problem? Nope, you do. You're the communications director. Fix this. Can you give me 100% employment? No. Will you get married? Fuck no. Then I think we're in trouble. King, can you have this naysayer assassinated? Not when you say it publicly. I'm more fun as a gang leader. We have a country to run. Fun isn't part of the equation. Where's a septic truck when you need one? Ok, donc les gars, si vous avez suivi un petit peu, donc là, de ce que j'ai compris, hein, on est président des États-Unis. Donc c'est cool. On est président, on a une petite équipe avec nous. Et Come on, ouais. Keith, have some good news. Alexis, dis-moi quels sont les bonnes. Ok, d'accord. Ouais, donc en fait, je me suis pas trompé, on est vraiment président des États-Unis. Alors, dans les commentaires, pour essayer de répondre un petit peu à vos questions, vous avez été nombreux à me dire que. Oui, le jeu. We've got enough clout right now for one major bill, not both. What do you want me to push forward? Do you want to be the president who cured cancer or the president who solved world hunger? Qu'est-ce qu'il va choisir? Ah, c'est moi qui choisis. Bah les gars, on fait quoi? Je veux le président qui guérit le cancer ou nourrir les affamés. Éliminer le cancer une fois pour toutes, plus personne n'aura faim. Ah putain, c'est un choix qui est super dur pour moi, dans le sens où j'allais dire j'ai connu les deux, mais non. Franchement, mourir de faim, c'est quelque chose de vraiment, mais vraiment atroce. Donc je choisis mourir de faim. Voilà. Après, bon, je suis désolé pour toutes les personnes qui ont connu des personnes qui ont le cancer et tout ça, mais bon, c'est un jeu, ne prenons pas trop au sérieux. Hein. Donc oui, je vous disais, beaucoup de personnes m'ont dit, ouais, Just, le jeu, est-ce qu'il est beau? Non, c'est vrai que graphiquement, il est très limitant. On sent la plaie en fin de vie. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Cogne une tête de nœud, frappe un con en pleine face. Je vais le démonter. Bim. Voilà. Donc oui, j'ai arrêté d'avancer parce que sinon ça continue pas. Donc oui, je vous disais, le jeu, c'est vrai que graphiquement, il est pas terrible. Il y a plein de gens qui m'ont dit, mais non, Just, la Play 3, elle est pas en fin de vie quand tu regardes The Last of Us et tout. C'est vrai, mais en tout cas, pour Saints Row 4, regardez les graphismes, c'est pas le top. Quoi. C'est vraiment pas le top. Camp David to watch some Nightblade. Yep. You down? Non, vas-y, j'ai mon rôle de président. Catch you later, Josh. And your number one fear! Boom! Nice work. C'est manger un coup de pied. Des barres. Mais en tout cas, le jeu niveau interaction, il est pas mal. Donc c'est ça qui est cool. Prenons-le pas au sérieux, amusons-nous, et ça va le faire. Mais c'est vrai que graphiquement, c'est pas trop ça. C'est vraiment pas trop ça. Kinsey, what's the right context for, and I quote, I'm the patron saint of America, we should probably look into changing the Pledge of Allegiance to one nation under me. That's a great question. Jane? Même pas une question. No, not you two. How many times do I have to... Asha and Miller are waiting for you in the Oval Office. If MI6 needed something, they would send it up the chain, not fly across an ocean. They said nobody back home believes them. Jesus, what's going on? They think we're about to be attacked by aliens. I gotta go. This is serious. You know that Kinsey's been saying the same thing. When did you start taking Kinsey seriously? When the people who helped us save the world said we should. All right, I'll swing by after I... Oh, man! C'est une tête, les aliens débarquent. Comme ils sont moches. Hello, humans. Ladies and gentlemen,
This is not a time for fear, but a time for celebration. Today, the best and brightest among you will find salvation within the Zin Empire. I'm smarter than all these people. Delightful. Kenzie, no! Protect the president! I love your spirit, my dear. I'm Zinyak. Pleasure to meet you. Oh, comme ils sont balèzes qu'on peut aux humains. Wow. Splendid. C'est quoi cette histoire? Les aliens attaquent normal. Lâchez-moi là. Lâchez-moi, je dis. Lâchez-moi. Rentre au bureau. Ok. Told them we should have a gun every 5 steps. Qu'est-ce qu'il y a? Bouge. Oh là. Attends, je recharge vite fait. Non, lui il est avec moi. Thank God you're all right. You okay? Okay, on y va, on y va. Upstairs, trying to find out what's happening. What is happening? All out war, by the looks of it. Ouh, si. T'inquiète pas, joueur de Call of en plus. Be careful. Ok, les gars, j'ai trouvé une arme. Ok, nickel, checkpoint est atteint. Rends-toi, prends le fusil à pompe. Voilà. Changer d'arme. Ok. Attends, je vais prendre un truc ici aussi. Prends la mitraillette. Ok. Prends le. Ok. Ah ouais, j'ai voilà les armes. Donc, il faut que je me rende. Ah bah non, attends. Merde. Keith. Non. Damn it. Ouh là là. Venez pas, venez pas. Attends, change juste d'arme vite fait. Prendre le fusil à pompe, bitches. Ils sont là. Qui veut faire le ouf? Qui? Je suis un ouf dans ma tête. Shit, what the fuck is going on? Putain, qu'est-ce qui se passe? Oui. Allez, on y va. Mais genre, le président, c'est un thug qui fonce devant tout le monde et tout. Allez. Non, les copains. Voilà, on continue. Ah, mince. Elle est là, lui. Arrête de tirer sur le président. Arrêtez. Bah, attends, je vais changer d'arme. Je vais prendre mon bazooka. Dégagez. Bougez de mon pays. Merde. Eh, je vais mourir. Recharge. Dis à ma femme que j'avais une autre femme. Allez. You pissed off the wrong POTUS, assholes! Allez, vite! Qu'est-ce qu'il y a? Président des États-Unis, motherfucker! Merde. Joueur de Call of, mon pote. Dis à ma femme que j'avais une autre femme. Ah ouais, lui, il est chaud, lui. Aïe. I've trained for this! Merde, là. Ok. Faut que je monte. Attends, qu'est-ce qui se passe? Attends, je veux juste aller voir. Ok, rien. Oh non, mince! Vite! Je recharge. Ok. Et. Recharge, putain! Qu'est-ce qu'il me fait? Ah, vas-y, tu sais quoi, j'ai même pas envie de rigoler. Il me reste des balles. Ah non, j'ai plus de balles là-dedans. Attends. Ouais. On va prendre ça. Allez, dégagez. Rouskov, maintenant j'ai plus de balles, bouge. Ici c'est la terre, mon pote. Putain, il est pas mort, lui. C'est la terre. Venez pas, attaquez pas. Oh, j'ai un shoot de merde. Oh, il se bat en plus, les bâtards, attendez. Allez, recharge. Yaaaaah, mourez. Je suis un ouf. Voilà. C'est un peu nul, les aliens, quand même. Je dis ça, je dis rien. Allez, vite. Checkpoint, attends. Ah, mais c'est la guerre. Putain, vous êtes combien? Bert to Ernie. Activate South Portico Defenses. Mais quand même, le président, il est thug. Hein. Vous imaginez le président de la France, il se tape comme ça et tout. Déjà, c'est swagué comme ça. Allez. Oh lolo, oh oui. Me dis pas que je vais contrôler ça. Détruis les aliens. Lancer des... Oh oui. Attends, merde, non. Ok, d'accord. Bim.
Come get it, mince, mince. Allez, allez. I'll shoot down every last ok, one. Venez maintenant. Je vous attends. Ils sont où là? Ils sont où? Je les vois pas. Dégage. Dégage toi aussi. You took my cabinet. Venez comme ça sur moi. Oh, ils sont massifs. Venez, venez, venez. Voilà. Vous avez cru que c'était la fête ici? Viens là toi aussi. Allez, viens. Mince, 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 mince. Allez, allez. Meurs, meurs. Mince. Oh, ils sont trop. This one's for Uncle Sam. Allez, dégagez. And this one's... C'est Just Space, le président. Ah, mourir. Ah. Voilà. Excusez-moi, les gars, je pète un plomb. Ils sont là, tous. Mince, mince. Allez, 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 tue-le. Allez, allez. Allez, allez, allez. Tiens, Doro, non, je l'ai pas tué. Je l'ai tué ou pas? Yes, yes. Oh, oh, vite, push, push. Ah non, c'est bon. Oh le thug, oh merde. Aïe. Why do you humans enjoy leaping so much? Get off my lawn, you son of a bitch. T'as entendu? Bon par contre j'ai déjà remarqué un défaut du jeu les gars et je vous le dirai par la suite. Well hello there. Welcome aboard. Hang you over the fireplace, you fuck. Comment c'est un thug le président? Bim, patate. Vas-y viens, viens. Bim, bim, viens, viens, viens pas sur la terre, viens pas sur la terre. Not so fast. Par contre, l'alien il est un peu nul, hein. Il se fait démonter par le président comme ça, un humain, alors qu'il fait 2 mètres de plus que nous. Oh, si. Tu m'auras. Mince! Yes, bim! Non! Oh, bien vu. Did you really think you could... Oh merde. Oh, human arrogance. Is there anything more... Lâche-moi. Lâche. Oh merde. Yes. You what? Oh merde. Huh? Bravado. Ah bah là il est mort là, c'est bon. I'm going to have fun breaking you. Bon, en même temps, je me disais, c'était trop facile, les gars, qu'on tue le mec comme ça. L'aile des seins terminée. Oh putain, fais chier. C'est relou. Oh, goodness me, what a dream. Oh my god. Bref, les amis, on va se quitter sur ces quelques paroles. Écoutez, et là, je vous mets cet épisode samedi. Comme ça, bah, vous avez un épisode pour ce week-end. Sachez que les autres épisodes vont arriver plus vite. Et surtout, ne prenez pas le temps de me le dire en commentaire. Oui, je vous ferai des épisodes plus longs. Là, c'est juste qu'on est en week-end. J'ai pas une super co, vous vous rappelez. Et je voulais vous mettre une petite partie pour ce week-end, histoire d'avancer un petit peu. Mais ne vous inquiétez pas, les autres parties seront beaucoup plus longues. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette deuxième partie. Vous savez pourquoi j'adore faire des let's play? Parce que ça me permet un petit peu aussi de m'améliorer. Ça me donne l'impression de d'être avec vous, de vraiment faire mon maximum pour vous divertir. C'est beaucoup plus difficile que sur du Call of qui attire des millions de personnes. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié, vous avez passé un bon petit moment avec moi. Et puis en attendant, je vous dis de prendre soin de vous. C'est une excellente, guys. Bonne rentrée si vous rentrez lundi prochain. C'était